J'ai honte de chanter devant elle, mais je vais prendre mon courage entre les mains. Dar dar, dari dari, darkom. 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 Dar dar, dari darkom. Dar l'idaha, dar la trois. Je reçois Fidari, notre vedette, Menel Gherbi. Chanteuse, musicienne, pharmacienne, mère de scandale et animatrice télé qui depuis quelques années valorise notre patrimoine algérien avec beaucoup de classe et de grâce. Ce n'est pas fini, elle est bonne cuisinière, je l'atteste pour l'avoir fait la bonne expérience. Menel a une vraie âme d'artiste, rêveuse, généreuse, aimeuse. Justement, si elle est là aujourd'hui avec nous, c'est pour s'engager à notre opération Un enfant, un jouet, un sourire qui consiste à offrir un jouet neuf ou recyclé le jour de l'Aïd à des enfants hospitalisés. Menel chante. Dar 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 dar. Je pourrais pas le faire mieux que toi. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation, ouais. Menel. Merci. Je sais que tu es surbooké, que tu as beaucoup de concerts. Que tu as beaucoup de répètes, parce qu'on oublie que quand on a des concerts, il faut répéter. Il faut répéter. Et oui. On a l'impression que tu arrives toute belle avec tes belles robes et que tu n'as fait aucun effort. Alors, il faut répéter, il faut faire les essayages, il faut préparer les tenues, les retouches. Bon, les essayages, je sais que tu as la main longue quand même. Tu arrives toujours, oui, à avoir la belle tenue, oui, que tu portes toujours aussi bien, et je pense que... Mais on fait des essayages, quand même, parce que c'est à chaque fois de nouvelles tenues, soit des tenues de la nouvelle collection, à la belle comme les stylistes quand ils font une nouvelle collection, ils voient souvent 36. Moi, dans ma vie, il m'a aussi 36. Ah, tu n'as jamais eu cette taille? Non, 36, non. Oui, bon, ça... Sauf quand j'étais vraiment enfant. Donc, du coup... Mais je ne sais pas comment que tu fais, mais on a l'impression, en te voyant, que tu fais du 36. Voilà, non, en fait, tant mieux. Il ne fallait pas le dire. Il ne fallait pas le dire, tant mieux. Donc, c'est pour te dire qu'on fait quand même des essayages, etc. Donc, même les tenues, on les prépare. Donc, plusieurs essayages, on retouche les tenues. Parfois, il y a de nouvelles tenues qui sont destinées à des concerts, à des thématiques particulières. En plus des répétitions, comme tu as dit, et voilà. Alors, tu prépares le prochain concert? Oui. On en parlera dans un moment. On en parlera. Par contre, Menel, je le disais dans l'intro, elle adore faire la cuisine et elle le fait très bien. Et j'ai goûté des choses extraordinaires. Même bouzello. Dans des conditions extraordinaires aussi. Exceptionnelles, on va dire. Exceptionnelles. Un bouzello en juillet. J'ai 40 à l'ombre. Il fallait le faire. J'étais amoureux le bouzello. J'étais amoureux le bouzello. Aujourd'hui, je suis malade. Je suis malade. Voilà, il manque par contre un plat. Alors, ne dis pas. Et depuis, en fait, à chaque fois qu'on se voit, je lui dis, écoute, Menel, quand même, tu as exagéré. Alors, ce plat-là, on va faire appel aux auditeurs au 021 48 15 15. À votre avis, Menel m'a promis un bon plat. Un bon plat. Paraît-il, elle le fait. Alors, elle me l'a vendu. Elle m'a dit, moi, je sais pas, et la sauce, je vais la faire comme ça, là, là, là. Alors, si vous trouvez la bonne réponse, vous gagnerez le rame cadeau offert par notre partenaire, c'est vital. Voilà, ça, c'est l'histoire. Et Mehdi Gana, c'est un très bon cuisinier, parce qu'on a d'autres petites billes à Mehdi, petites batates à terfesse, et le fond, il y a des chocolats. Voilà, elle confirme. Ah, purée, tu cuisines super bien. Merci, Menel. Menel Gherbi est avec nous pour notre opération Un enfant, un jouet, un sourire. Et comme elle est généreuse, on va vous faire gagner un rame cadeau à condition de trouver le plat qu'elle m'a promis de préparer particulièrement avec beaucoup de je sais pas, avec très peu d'ingrédients, mais paraît-il, elle le réussit comme pas possible. Alors, si vous devinez ce plat, le plat de Menel Gherbi, vous allez gagner. Vous allez gagner, vous allez gagner tout de suite. Tu t'es mis à chanter, oui, j'adore. Oui, la belle, quand même. Mais non, maintenant, je suis dardar et darkom. Je suis hakif. Ah, il va te falloir beaucoup de répétitions. Ah oui, laisse-moi. Walid! Assalamu alaikum, narkom, mubarak. Iberk fix, c'est Walid, ou charak? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Comment vous sentez?
مساكم مع رمضان. Oui, on va très bien. On va très très bien. Et moi, je suis très content parce que je ne suis pas seul aujourd'hui avec Manel qui m'accompagne. Oui. Jet, voilà. Salam. Salam. Bien accompagné. Merci beaucoup, Manel. J'espère qu'elle va revenir la prochaine fois. Inch'Allah, Inch'Allah. J'ai plus plat. Exact. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais dans le... Donc, je suis un délégué commercial, donc je fais commercial. Dans le pharma? Dans quoi? Dans... Il s'est bloqué dans le pharma. Tiens, ça rappelle quelque chose à Menel. Ah oui. De bon et de mauvais. Plus de bon ou que de la mauvais? Plus de bon. Ah, de notre bon. Très très belle expérience. Oui. On rappelle que Menel est pharmacienne également. Exactement. Ah, il est au courant. Ah, donc. Le mec. Quel laboratoire? Non, non, ne donnez pas de nom de labo. Attendez les indices. Les indices. Alors, c'est pas le pharma. C'est le matériel, c'est les dispositifs. D'accord, dispositif médical. Ah, d'accord, ok. Mais bon, ça reste le même domaine, donc tout le monde connaît tout le monde. Oui, voilà. Exactement. Voilà. Exactement, c'est du pareil. Dites-moi, vous êtes, quelle est votre situation familiale, Roya? Bagué, depuis deux ans. Alors, vous n'allez pas trop parler à Menel. J'ai un chrono. N'importe quoi. Elle va lui faire la tête. Tout le monde se fait la tête sur Mdang de toute façon. Voilà, il n'y a pas à faire la tête. Elle est jalouse. Voilà. Est-ce que votre épouse est jalouse? Oui. Anda la jalouse. Mais la jalousie constructive. Donc, si elle voit une personne faire ça, elle essaie de faire mieux. Attendez, j'ai jamais entendu de ma vie. Si vous la rendez jalouse, elle va essayer de faire mieux en vous rendant encore plus jalouse. Attendez. Attendez un exemple. Allez-y. C'est improbable que tu vas la faire. C'est de chanter mieux que Manel. Si on parle de cuisine ou une personne qui cuisine bien. Tu lui dis qu'il y a une personne qui a fait de la bonne cuisine. Tout de suite, elle fait des recherches, elle fait main et puis Bon, là, vous pouvez lui dire. Elle est compétitive. Elle est compétitive, voilà. Elle est de bon foi, elle fait de la bonne cuisine. Elle est de bonne foi. Elle peut essayer au moins d'imiter sa couleur ou sa coupe de cheveux, à la limite. Exactement. Voilà, aller sur quelque chose qui. Oui, au moins, elle va pas. Oui. Et ben, qui sait peut-être qu'elle a une jolie voix. Qui m'aime pas. Qui m'aime. Ah, je le prends pas comme compliment, Manel. Non, c'est bien, c'est bon, bien. Bon, alors dites-moi, vous savez que dans notre Dardal et Dalcom, il y a une condition. D'ailleurs, Manel n'est pas venue les bras ballants. Ouais. Elle est venue parce qu'elle a promis des jouets et que, que nous remettrons bien sûr le jour de l'Aïd aux enfants hospitalisés. Est-ce que vous nous promettez d'offrir un jouet vous-même? Je suis dans le secteur de la société civile depuis des années. Je savais pas. On a collaboré déjà vis-à-vis l'opération sur les enfants de la Lune. D'accord, ok, ça je vois. Allahibarak. Je vous promets de jouer pour l'Aïd, Inch'Allah. Alors, voilà, ce qui nous emmène maintenant à aller vers le plat, parce que c'est le sujet. Alors, quel est le plat que m'a promis Manel Rabi depuis déjà belle lurette? C'est une belle lurette, l'année faite. L'année passée, je mets la pression. Et que je n'ai toujours pas mangé, mais je vais pas manger ce ramadan parce qu'on n'aura pas le temps de se. C'est vrai, oui. J'achète tout. Allez-y, pardon. On peut avoir un indice. Non. Elle a été, bien sûr. Là, elle a des marques. C'est un plat cuisiné. C'est un plat cuisiné, c'est pas une entrée, voilà. C'est un plat, c'est alors, un plat. Allez-y. Un plat basique, je dirais peut-être un maqlouba aux aubergines et tout. Non. Alors, allez-y. Exactement. Comme vous avez une femme compétitive, elle va lui préparer le maqlouba.
صح فطورك خويا بسلامة بون كوراج لو بوفر زهير وي كومونت الي فو زهير Ça va, et vous Mehdi, comment allez-vous ? Très très bien, vous appelez pour moi ou là pour Manel ? Surtout pour Manel. J'appelle pour les deux, j'appelle pour Manel, pour les deux, mais surtout pour Manel. Ah, bien souvenir. Ben oui, elle est invitée, donc voilà, honneur aux dames d'abord. Ne sois la jalouse Mehdi. La jalouse. Ah, il est... tu ne devrais pas. Ça harmdanek Manel. Alors, ben voilà, j'appelle pour partager un souvenir parce que bon, moi je fais partie de la boîte, donc Mehdi il me connaît, c'est Zoher Canal Algérie. Ah d'accord, ok Zoher, enchanté. Voilà, donc et j'ai un souvenir particulier avec Manel Gharbi parce qu'en fait le jour de mon accès à la télévision, c'était la gentille Manel qui m'avait accueilli à l'entrée, moi et Mahrez Rabia à l'époque, et c'était comme ça qu'on avait intégré Canal Algérie. Donc, ah oui, rendre... ah ben bah, c'est sympa, finalement voilà, c'est sympa. Je voulais lui rendre hommage. C'est gentil. C'est vrai qu'on est rentré la même année avec Mahrez Rabia, avec toute l'équipe. Voilà, avec voilà. Liab Khaled, c'était en 2000... C'était en 2005, voilà, c'était à 2005, l'époque en 2005. Ouais. Et il y avait un visage souriant, c'était Manel Gharbi, donc je garde un excellent souvenir de cette jeune demoiselle à l'époque, et qui par la suite a fait un 2005, joli parcours. 21 ans. Ouais, c'est loin, il y a bien loin. C'est vrai qu'elle a pris... Ça ne nous rajeunit pas. Un micro ride, mais elle garde toujours son sourire j'ai magnifique. J'ai mes d'expression parce que je souris tout le temps. C'est vrai. Et c'est je vrai, les garde. Et je ne me botoxe pas, je suis contre. Et... je les garde. C'est vrai, je le confirme. Je confirme. Elle ne se maquille pas trop et elle ne se botoxe pas. Elle est vraiment... Ça, c'est bravo. Je ne sais pas comment que tu fais parce que comment elle résiste. Si vous permettez, je suis impressionné. Parce qu'en fait, les rides, ce sont des sourires gravés sur le visage. Wow. Absolument. Mais il y a des rides pas du tout. Il y a des rides qui sont pas belles. Parce que, voilà, je veux dire, elle est, vous avez cumulé les... Enfin, vous avez eu plusieurs vies hein, en 20 ans. Mais Mehdi peut le confirmer. Zoël, vous allez quand même offrir un jouet pour un enfant, un sourire évidemment, le jour de l'Aïd. Donc compte sur vous, c'est Zoher. Et vous allez évidemment quand même aussi répondre et nous dire quel est le plat que m'a promis Manel Gharbi. Oh là là. Oh, allez-y. Là, vous tentez. Posez une colle. Allez-y, à votre avis. Elle cuisine très très bien. Bah, je sais pas, j'ai entendu Bouzouzouf tout à l'heure, mais bon, je pense que... Non, ça y est, voilà, je l'ai déjà. Je l'ai mangé, celui-là, en fait, je l'ai jamais... En fait, il a commencé, Mehdi, par les plats les plus compliqués. les plus compliqués. Avec l'Ahom Kamel. En tout cas, oui, tu fais chercher qu'on lui, oui, tu m'as promis. Il a mangé les plus compliqués. Oui, là, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus. Enfin, simple. Et comme il est simple, et c'est pour ça qu'elle m'a dit non, mais moi, comment je le fais ? La sauce, comment elle est bonne, comment c'est elle est onctueuse. C'est un plat qui se bâcle, Alger. On le bâcle beaucoup, c'est vrai. C'est un plat qu'on bâcle. Voilà. C'est un plat qu'on bâcle. Donnez le nom d'un plat, c'est horrible. Allez-y. Un plat. Allô ? Je vais faire parce que j'aime bien ça. Après, je sais que c'est pas. Oui, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Tiens, je vais lui rajouter dans le. C'est pas Shbah Safra, en tout cas, merci Zoher. Sahab Torek. A bientôt, ciao. Rahima. Oui. Triqa. Oui. Zahma, pour le plaisir de vous faire attendre. Qu'est-ce que j'aime pas quand vous dites Triqa. Ne m'appelez pas, appelez-moi quand vous êtes sûr. Oulalala, Manel. Voilà, comment allez-vous Oui, bonjour. Bonjour Mehdi, bonjour Manel. Bonjour. Alors, je suis hyper contente parce que je passe là, je suis vraiment contente. Ah, ça fait plaisir. Alors, l'émission, merci beaucoup Manel, Sahamdanek à toi aussi, à toute la famille. J'aime beaucoup Dabdarib Darkom. Alors là aujourd'hui que Manel Gharbi est invitée. C'est notre ambassadrice aujourd'hui, franchement. Ah, et elle n'a pas beaucoup hésité pour j'aime... les enfants, je reconnais. Jamais. Franchement, elle n'a pas hésité. Et Dieu sait qu'elle est super, super bookée. Hein. Franchement, et je le sais. Et elle a failli arriver en retard. C'était ma hantise aujourd'hui, mais elle est arrivée en plus à l'heure. Et bravo. Ah, un peu avant l'heure. Oui, non, je. Franchement, merci. Moi, beaucoup. Si j'arrive en retard, je préviens. Tu m'as dit, tu ne peux pas arriver en retard, je suis venue. Je lui ai dit, attention, les minutes sont précieuses. Et elle était là, il n'y a pas de souci. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, je travaille, je suis analyste des ventes.
D'accord. Dans le pharma. Non. Pas dans le pharma, madame. Non, non. C'est dans un groupe agroalimentaire, voilà. D'accord. Situation familiale. Mariée avec enfant. Mon enfant, il s'appelle Daniel. Et votre monsieur, il s'appelle comment? Mohamed Amin Fatah, qui choisit l'un des trois. Ah, vous vous ennuyez pas? Ça dépend comment vous êtes, votre humeur. Ça dépend. Qui te connaît Zafan, qui veut s'arrêter là? Exactement, Fatah, c'est le tout dernier. Le ha, oui, Voilà. Ou qui te connaît quand vous êtes joyeuse, comment vous l'appelez? Vous avez un surnom peut-être? Non, c'est mon amour, mon chéri. Ya amour. Elle dit c'est la jalouse. La jalouse. qui c'est normal. C'est trop mignon, c'est trop c'est mignon. Merci beaucoup. Vous avez un jouet à nous offrir? Oui. Recycler oui. Ou là vous allez l'acheter? Non, je vais acheter. Attention, de nouveaux jouets. On peut recycler, c'est-à-dire quand on a de beaux jouets en bon état, on peut les offrir. Attention, hein, ça peut se faire. Oui, c'est-à-dire que oui, j'ai d'anciens jouets, mais je préfère les garder en souvenir comme ça. Merci. Mon fils. Merci voilà, pour votre générosité. Alors dites-moi, quel est le plat à votre avis? Le plat. Alors, je pense que, Manel Rabbi, elle est connue de sa classe et elle est bête. Ouais, allez-y. Je pense, entre trois plats. Non, oui. Donnez un seul. Mais Hadestrika, c'est un plat simple parce que les meilleurs plats, les plus compliqués, ils tombent déjà. C'est un plat très simple. Allez-y, vite. Allez. Vous pouvez me donner des indices? Non, il n'y a aucun indice. Allez-y, vite, allez-y. Je sais pas, puisqu'il est très simple, j'allais dire c'est pas d'autres, mais vu qu'il est très simple, je pense du riz. Non, traditionnel, khatina rose ou le bridé. Elle m'invite à manger du riz de la scandale. Scandale, mais dis-le quand même, n'hakemch semno. Voilà, la donnée. On se retrouve allez, après 16h. C'est pas le bon plat, à tout à l'heure, merci. Dar darkom. Dar darkom. Ah mais dar. Tu fais pas bien, Mehdi. Hein? Alors, montre-moi ce que tu sais faire. Dar, darkom. Ah, finalement, tu le fais mieux que moi. Dar, darkom. Ça y est, je l'ai détrôné. Je préfère me rendre à Morsili. T'as vu, hein? Il faut avoir les corps. Bien sûr. Il faut avoir. Alors, on est avec Menel Gherbi qui a accepté notre invitation dans dans la 3, dans le partage ou dans les enfants. Et oui, puisque notre opération Un enfant, un jouet, un sourire est officiellement lancée aujourd'hui avec Menel qui, je reconnais, je lui ai demandé un seul jouet. Mais la générosité de Manel, c'est pas parce que c'est une amie, une collègue et ça déraille. Non, sérieusement, elle a insisté à ramener plusieurs jouets. Merci Manel. Merci, je sais, merci pour ta générosité. Et tu peux être sûr que le jour de l'Aïd, eh bien, on remettra ces jouets à des enfants malades. J'en suis certaine. Voilà. Ouais, ça t'a toujours fait des opérations comme ça, que ce soit et pour on les invite, enfants. Pour les... Et on invite les auditeurs et à on le invite faire. Absolument, on invite les auditeurs à le faire parce que finalement, ça ne coûte absolument rien. Et faire sourire les gens, c'est ce qu'il y a de plus facile pour peu qu'on ait envie de le faire. Donc, grâce à un cadeau, grâce à une petite visite, à un jouet, un bonbon, un ballon. Un jouet qui soit recyclé, je le dis, il peut être recyclé, c'est-à-dire il peut faire partie du décor de la famille. Bien on sûr. Peut avoir une petite caisse avec une armoire pleine de petits jouets. D'ailleurs, c'est bien parce que c'est écolo. Exactement. C'est écolo, exactement. C'est bien de recycler aussi. Alors, l'idéal de cette opération, c'est de se déplacer le jour de l'Aïd. Alors, je sais que c'est très compliqué, logistique, famille, etc. Si vous pouvez le faire dans votre région, Allahumma barik. Si vous ne pouvez pas, eh bien c'est nous qui le ferons à votre place. Voilà, absolument. Vous contactez Dar Darkom. Tu as une vilaine voix. Oh là là. Oh non, mais. Rieur, la jalouse.
La jalouse. Ah, la jalouse. Alors, 021 48 15 15. Attention, les appels sont limités parce que le temps est limité. Et on a déjà Louisa qui veut vraiment répondre à la question. Elle veut à tout prix gagner. Bonjour, Louisa. Bonjour, ça va? Bismillah. Bonjour. Comment allez-vous, Louisa? Bonjour à votre ambassadrice. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça lui va bien, hein, l'ambassadrice Madame Menel. Alors dites-moi, vous faites quoi dans la vie? Vous faites quoi dans la vie? Je suis. Vous voulez pas savoir qui je suis? Oui, bien sûr. Ben justement, je commence. Je suis la fameuse parenthèse. Vous êtes une parenthèse. L'an dernier. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah, vous nous avez appelé l'année passée. J'ai insisté pour vous. Ah, vous nous avez appelé l'année passée, une parenthèse, oui. Bah, je vous ai mis entre parenthèses. Je pense qu'il a fermé la parenthèse. Oh, une année. Il n'a pas l'air de s'en rappeler, même bien. Vous n'allez pas sortir de l'auberge. Mehdi, vous n'allez pas sortir de l'auberge, c'est du pareil ou même. Oui, Mme Harsha a dit, oulala. Alors, rappelez-nous, donnez-moi. Rappelez-nous. Quoi, un indice? Oui, un indice. Louisa d'Alger. Iwa, qui a un accent de l'Ouest. Pardon? Qui a un accent de l'Ouest. C'est une façon de parler, mais je ne suis pas d'accord. Ah, vous n'êtes pas la fameuse personne qui avait plusieurs métiers ou plusieurs vies, quelque chose comme ça, non? Oulala! Plusieurs vies, plusieurs métiers. Plusieurs métiers, non. La musique et retraité, voilà, tout simplement. Comment? Et on fait ce qu'on peut. D'accord, okay. Retraité. Mais vous faisiez quoi auparavant? Auparavant? Oui. Ah, et vous l'avez l'indice. Quel indice? Je n'ai pas d'indice. Menel, sauve-moi. J'adore la tête maintenant de Menel. Parce que je vois ma tête il y a 2 minutes sur le visage de Menel. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez trouvé la réponse à la question? Voilà. Au plat? Oui, le fameux plat. D'abord, il faut nous promettre le jouet. Est-ce que vous nous promettez? Non, le jouet, je le fais chaque année, comme je peux. Eh bien, merci J'essaye beaucoup. J'essaye de le faire comme je peux. Alors, dites-moi le plat. Je vais directement aux hôpitaux. Parce que vous nous avez fait un grand plat. Oui, c'est une nouvelle énigme. Alors, dites-moi, à votre avis, quel est le plat que m'a promis Manal Rabi? Vous avez parlé de bâclé. Là, bâclé, je vois pas. Sincèrement, je vois pas. Je dirais bâclé. Franchement, je vois pas. On vient de me donner un indice à Hnaïa Fulfilta. Pas loin, on se rapproche. C'est vrai que même Had le plat, les tout les dors qu'on le bâcle. Oui. Non, mais c'est pas grave, même. Oubliez bâclé. Bon, généralement, on le fait à la va-vite. Généralement, on le fait à la va-vite. Oui, on le bâcle, ça veut dire qu'on le fait à la va-vite. Donc, il est pas difficile. Les enfants l'aiment, etc. Il n'est pas compliqué. Ah, c'est les pâtes alors? Ah non, c'est un. Eh ben non, c'est pas les pâtes, désolé. Merci beaucoup pour votre appel et à la prochaine parenthèse. Allez, au revoir. En 2025. Dari Darkum. Darkum. Dar Dari Darkum. 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 Dar Dari Darkum. Darkum. Menel Gherbi est avec nous et elle sera un peu partout, on va dire. La bougeotte. Je ne sais pas comment qu'elle va faire. Hein. En tout cas. Je fais appel aux gens de Annaba le 22 mars, attention. Le 22 mars. Vous allez l'intercepter au théâtre, c'est bien ça, c'est au théâtre Azdine Mdjoubi, théâtre de Annaba. Et après, tu vas prendre une voiture, tu vas aller le lendemain à Sétif. Le lendemain, on va à Sétif le matin, bus, Norohwa avec tout l'orchestre, etc., toute l'équipe. Et ça sera à quel endroit pour Sétif? Sétif, ça sera le Dôme. Le Dôme, c'est l'hôtel du Parc Molle. D'accord, ok. Donc, ça sera au Dôme. Au Dôme. Et puis, bon, tu reviens sur Alger après. Et puis, on revient sur Alger. Tu auras le temps de me préparer le plat. Nous, tu viens chez moi. Les mazama sa boche. Non, bah, tu reviens chez moi. Moi, je suis. Dit que la semaine tranquille. Voilà, tranquille, tu pourras venir. Ah oui, pour voir comment tu. Oui, voilà. Et ensuite. Le week-end d'après, alors le 28, le Khamis. Tu reviens, tu retournes à l'Est, à Constantine. On retourne à l'Est pour aller d'abord à Béjaïa. Oui. Un concert au théâtre de Béjaïa le 28.
Et le lendemain, on ira de Béjaïa à Constantine pour nous produire à... pour se produire à... Puisque j'ai dit on ira, donc pour se produire au théâtre de Constantine. Très bien. Après, le... alors ça, c'est l'Est. Après, tu vas ça, faire à l'Ouest. Mais ça, elle n'a pas... Ah, mais ça, tu reviens, je vais voir, je vais voir. Alors non, on rentre le 30, on sera de retour le 30, et le 31, on sera à Ibn Khaldoun, à Alger Centre, mais pour un programme différent de celui de l'Opéra d'Alger, parce que puisque j'étais à l'Opéra le 16 mars, tout à fait, avec Abdelkader Chaou, donc cette fois, on sera avec Brahim Hajj Qassem, pour une soirée à Ibn Khaldoun. Et le 3 avril à Dar al-Raïs, à Sidi Fredj, ça va être sympa parce que c'est une très belle scène, une très belle salle aussi, qui propose d'ailleurs soit il y a des formules, donc tickets uniquement pour le spectacle qui commence à 22h, ou iftar plus spectacle, on mange aussi très très bien, on l'a fait déjà. Tout à d'ailleurs, fait. D'ailleurs, on a pour, je vais vous dire, on a Mahdi et des amis, on va voir Amazir Khatib demain, là-bas d'Araï, et on va assister au spectacle. Je dis tout, Mahdi, à Khatib. Non, ne dis surtout pas tout, parce que le plus important, c'est que tu vas aller à l'Ouest en plus. À l'Ouest, donc le 3, on sera à Araï. Donc on vous invite à venir à Alger, ça sera la dernière date à Alger. Et le 4, on ira, voilà, le 5, on sera à Tlemcen. On part le 4 à Tlemcen pour chanter le 5 au Palais de la Culture. Et le 6 à Oran, à la salle Maghreb. Et probablement, tu reviendras peut-être ici à la radio, qui sait, on ne sait Inch'Allah, pas. Inch'Allah, s'il y a un projet, moi, ça sera... Il y a un projet. Voilà, il y a un projet. On va voir, on va en discuter. En tout cas, Menel, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Un enfant, un jouet, un sourire. Et elle m'a même promis de vider ses placards avec son fils Skandar. Oui. Et nous offrir davantage... Je pense qu'il faut donner aussi l'exemple. Je pense que toutes les maisons ont énormément de cadeaux, d'objets, etc. Ça permet de rendre des enfants heureux et aux mamans de recycler aussi, de ranger la maison. Et aux enfants, ça leur donne aussi une leçon qui est de partager, de choisir les choses qu'ils aiment et de les donner à d'autres. Je pense que c'est génial de recycler aussi les cadeaux et je vais le faire. Merci beaucoup, Mena Sahaftorek. Merci. Dar-i-dar-i-dar-i-dar-kom. Et une dernière, rien que pour nous rizzelha. Dar-dar-dar-i-dar-i-dar-kom. Dar-kom. Dar-dar-dar-i-dar-i-dar-kom. Dar-dar-dar-i-dar-i-dar-kom. Khanidir-djiu. Dar-dar-i-dar-kom.